Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Problème du week-end 16.45. Jean veut écrire certains des nombres de 1 à 100 sur un bout de papier. Il voudrait le faire de telle sorte qu'il n'y ait pas deux nombres dont la somme vaille 125. Combien de nombres au maximum Jean peut-il écrire? Vous pouvez résoudre ce problème en mettant pause la vidéo. Alors, quels sont les nombres? Donc, un couple de nombres dont la somme vaille 125. Eh bien, on peut avoir le couple 125, le couple 99-26, le couple 98-27, etc. etc. jusqu'à le couple 63-62. Alors, combien y a-t-il de couples? Eh bien, il y en a. Donc, combien y a-t-il de couples énumérés? Eh bien, il y en a 101 moins 63, c'est égal à 38. Alors, c'est bien qu'en fait, on va prendre donc les nombres de 1 jusqu'à 24. 1 jusqu'à 24, c'est autorisé. Et ensuite, on peut prendre un des nombres, soit 25, soit 100, soit 26, soit 99, etc., etc. Donc, on peut prendre 25, 26, etc., etc., jusqu'à 62. Et donc, combien de nombres au maximum Jean peut-il écrire? Il va pouvoir écrire 62 nombres. Donc ici, 62 nombres. Donc Jean peut écrire au maximum 62 nombres. Voilà pour ce problème. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.